밖에 없네. So, the conference, the press conference of Gongsun. Nous allons commencer cette conférence de presse de Gongsun. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Konnichiwa. So, konnichiwa. So, I will introduce the Je team of the film. Présenter l'équipe du film, à ma gauche, à votre droite. Nous avons l'actrice dans le film, Chun Ho-hee. The director himself, le réalisateur lui-même, Na Hong-jin. One of the actors, un des acteurs, un acteur coréen, Kwak Do-won. The Japanese actor, l'acteur japonais, Kunimura-jun. And our translator, et notre interprète japonais, Yoshiko Okura. So, I have a first question for Je vais poser une première question à Na Hong-jin, le réalisateur. Je sais que dans vos films, vous aimez bien manipuler le public, l'induire en erreur. Pourquoi est-ce que vous créez cette confusion dans l'esprit du public dans vos films? Bah, c'est pas du tout. Ça part pas d'une mauvaise intention. Le film, en fait, je me demandais en fait comment est-ce que j'allais le développer. Et comme vous dites, monsieur le modérateur, c'est vrai que parfois il y a des moments un peu confus. Et c'est vrai que j'ai appliqué cette méthode-là tout au long de mes films. Mais je pense que c'était quelque chose de naturel. Mais en tout cas, pour ce film-là, est-ce que... Pour le film Gongsun, c'était quelque chose d'assez psychologique. En fait, c'est une histoire psychologique que je voulais exprimer. Donc, le climax du film et parle vraiment de maximisation du côté psychologique et je voulais vraiment le montrer dans le film. Je ne sais pas si la traduction là marche actuellement, ça marche. Est-ce que vous avez des questions? Yes, please. Allez-y. What about the Korean press? Est-ce que la presse coréenne souhaite poser une question? Ne soyez pas timide. S'il vous plaît, posez des questions. Hi, I'm Han from Deep Focus China. Han, the Focus. J'ai une question à vous poser. I think you are the title is in French is like the strangers and you are the Le titre en français, c'est L'étranger. Vous êtes comme des étrangers dans le film. Some others, but the only main Japanese actor to be in the Vous êtes le seul acteur japonais dans ce projet. C'est comment de travailler avec une équipe purement coréenne? まず初めて韓国映画というものに出演できたのがナホンジン監督の現場であるということは本当に幸せだなと今もそれは入った時も思ってました。というのは
今まで割とあの自分のキャリアの中でいろんな外国の監督といろんなプロダクションであの仕事をさせてもらいましたけれども、一番あの興味を惹かれてたというとやっぱり韓国映画だったんですね。それは役者さんのクオリティがすごく高いということも、あとは映画全体に占めるこうパッションみたいなものがすごく大きいなって、一体それはどうしてこんな映画ができるんだろうって、それが不思議でしょうがなかったので、一度は韓国映画に自分も参加したいと思っていたのが、今回ナホンジンという監督才能と一緒にできたってことがすごく僕にとっては幸せでした。でストレンジャーの件ですけれども、もうまさにあのこの中で一人だけ日本人ということもありますけど、まあ、お話の中では日本人というのは全く関係なく、まさにストレンジャーで、あるコミュニティの中に異物が入ってくるという、その異物は、まあ、生命体であるのかすらよくわからないような異物ですけれども、それがまさに今回のこの日本人の作ったコクソンという映画の一つテーマを担っている部分でもあると、そういうふうに思ってやってみました。Well, thank you very much. Merci beaucoup. I'd like to say how fortunate I felt and still feel to be part of this incredible film. C'était un privilège pour moi de faire partie de ce film incroyable. Mon premier film coréen a été justement réalisé par Na Hong-jin. J'ai travaillé avec des réalisateurs non japonais sur un bon nombre de projets. Toutefois, j'ai toujours été fascinée par le cinéma coréen à cause de la très grande qualité des acteurs et cette passion incroyable qu'ils ont pour le cinéma. Chaque fois que je regardais un film coréen, je me disais, mais comment est-ce possible de faire un film si superbe? C'était un bonheur pour moi de figurer dans ce film coréen. Na Hong-jin est très talentueux. Vous avez parlé de la notion d'étranger. C'est vrai, je suis le seul japonais parmi les acteurs, mais en fait, mon personnage n'est pas tellement japonais, mais juste un étranger, peu défini, peut-être même pas quelqu'un de vivant. C'est quelqu'un qui arrive tout d'un coup dans ce village, et je pensais justement que c'était un des thèmes récurrents dans le film. Voilà ce à quoi je pensais quand je jouais ce personnage. Yes, lady, the center. Stanislas의 김현록 기자입니다. 나홍진 감독님에게 질문 드리고 싶은데요. Bonjour, je viens de Star News. C'est une question pour le réalisateur. Koksan, le titre en fait a deux significations. C'est Koksan, donc la ville en Corée qui s'appelle Koksan, et également qui veut dire le son des pleurs. Mais j'ai vu que le titre français est complètement différent du titre anglais. En fait, ça marquait, c'est The Strangers. Donc, je ne comprends pas très bien et je voulais savoir si vous étiez au courant et qu'est-ce que vous pensiez de ces différents titres. 이게 어떻겠냐 하고 말씀을 해주시길래 그거 괜찮겠네요 그렇게 하세요 하고 말씀을 드리다 보니 영화의 제목이 벌써 세 개나 됐어요 예. 이쯤에서 더 늘어나지 말았으면 하는 좀 그런 바람을 갖고 좀 관계자 여러분들께 당부의 말씀 드리고 싶어요 J'espère qu'il n'y aura pas un quatrième qui viendra s'ajouter. Je ne sais pas si je dois la poser en français ou en anglais. Français. Donc, bonjour, Benjamin Donofeglis pour Ciné Série Mag. Ce serait pour parler du sens de l'humour et de la comédie qui est dans votre film, notamment pendant une grosse moitié, et qui ensuite, votre film va ensuite avancer vers la tragédie pure, l'horreur pure. Comment est-ce que vous avez travaillé cette transition et quelque part cet équilibre entre la comédie et l'épouvante? Dans mes films précédents, c'est vrai que la représentation était toujours très violente, assez forte.
Et c'est ça, en fait, qui m'a fait avancer pour faire d'autres films et qui guidait aussi un peu mes personnages. Mais là, pour cette fois-ci, pour ce film, la base, en fait, de ce film, je dirais que voilà, l'être humain peut-être est aussi un être, est une entité qui est vraiment qui fait peur. Et au lieu, en fait, justement, de toute cette tension qu'il y avait dans mes films précédents, je voulais qu'il y ait une autre sorte de tension dans ce film-là, un peu comme une sorte de légère détente par rapport à la tension qu'il y avait auparavant. Et pendant la réalisation du film, je me demandais comment est-ce que les spectateurs allaient recevoir, allaient réceptionner le film. Donc il fallait que j'aie confiance en moi, il fallait que je me dise, bon, bah, si cet endroit-là est drôle, il faut que ça fasse rire, il fallait que je me fasse rire moi-même pour que ça soit crédible. Et si je voulais que le spectateur ait peur, il fallait, en tout cas, voilà, il fallait que j'aie confiance en moi pour qu'une certaine scène soit effrayante ou pas, ou alors comique. Bonjour, c'est une question pour le réalisateur. En fait, finalement, l'étranger est donc le diable. Mais c'est vrai que c'est un diable qui est très différent des films occidentaux, car le diable, vraiment, est un mal absolu dans les films occidentaux. Alors qu'ici, c'est vrai que le diable a failli mourir, et puis on ne sait pas vraiment quelle est la limite, en fait, des pouvoirs du diable ici. Donc je voulais vous demander un peu quelle était la différence que vous mettez avec la figure du diable dans les films occidentaux. 그리고 싶은 마음은 없었고요. 어... Non, je ne voulais pas décrire la figure du diable dans ce film. La figure du diable que vous voyez, en fait, à ce moment-là, ce que je voulais exprimer à ce moment-là, c'est que ce que je voulais exprimer, en tout cas, est déjà exprimé de ma part pour les spectateurs. Après, je ne sais pas comment est-ce que les spectateurs vont réceptionner le film. Donc, je voulais pratiquement leur poser la question, en fait, de quelle était la réception par rapport à la voix du personnage. Je me demandais comment est-ce qu'ils allaient comprendre, interpréter cette voix-là. Bonjour, Jiaorui, Chine. J'ai une question à poser au réalisateur. Quel est le rôle de la religion dans votre film? Il y a différentes religions, la religion chrétienne et autres. Le film ne porte pas jugement. Donc, quelle est votre opinion particulière de la religion? Est-ce que c'est une question qui relève du bien et du mal? Ce film a une intrigue déjà très basique, et à partir de cette intrigue-là, elle a vraiment, en tout cas, une sorte de couleur par rapport au fait que c'est un film coréen, donc une sorte de touche coréenne. Et comme je disais tout à l'heure à l'autre journaliste qui vous a précédé, dans ce film, le film ne parle pas que de la Bible, qui est évoquée au début du film.
Dans ce monde, vous savez, il y a tellement de religions. Et ce film-là traite de deux religions. Donc la religion traditionnelle coréenne, le chamanisme, et le christianisme. Et je sais que beaucoup de monde va réfléchir sur, surtout les religieux, en tout cas de ces deux religions, vont se poser des questions. Et le bien et le mal a bien sûr un rapport avec ces religions. Et je voulais juste en tout cas représenter ces religions sur le grand écran. Mais bon, j'imagine que vous ne m'avez pas posé une question personnelle. Donc je vous parle par rapport au film, pas par rapport à moi. Et ce que je voulais vous dire aussi aux modérateurs, c'est que voilà, je suis ici, mais il faut aussi poser des questions aux acteurs. Merci. J'ai une question à poser aux acteurs. Ce n'est pas évident de travailler avec Na Hong-jin. Vos jeux d'acteurs sont très physiques. Vous devez courir, vous devez parler fort. C'est très physique. Comment est-ce que vous gérez la situation en tant qu'acteur? Comment est-ce que Na Hong-jin vous aide à jouer dans le film? Comment est-il en tant que réalisateur? Zut, j'aurais pas dû demander à ce que les gens posent des questions sur les acteurs. Déjà, j'ai choisi cette œuvre. Et une fois qu'en fait je choisis l'œuvre, je pense qu'en fait le film est le résultat d'une collaboration entre les acteurs, l'équipe technique et le réalisateur. Et le but, c'est vraiment de faire plaisir aux spectateurs, de donner, de se donner à fond. Et ce n'est pas vraiment une direction d'acteur. Je dirais vraiment en fait qu'on essaie de communiquer tous ensemble, on se donne à fond et pour essayer de finir le film pour qu'il soit le mieux possible. Donc pendant 6 mois, bien sûr, on a vraiment donné le maximum de nous. On s'est encouragé les uns les autres. Ça a été un tournage éprouvant, mais en tout cas, maintenant, aujourd'hui, voilà, il est présenté ici et je pense qu'on a tous réussi. Sur chaque tournage, en fait, ça dépend des réalisateurs. Chacun, vous savez, a des styles différents. Mais ici, je dirais que la communication, la coordination entre nous avec le réalisateur était fructueuse. C'est-à-dire que c'était comme une sorte d'aventure. Beaucoup d'expériences nouvelles pour moi, qu'on a essayé en tout cas ensemble. Et en fait, je pense que vraiment le dialogue entre l'acteur et le réalisateur
et important. Mais chez moi, je dirais qu'il était presque un peu surnaturel parce que c'était un personnage qui était très, avec une signification assez profonde, donc c'était difficile de parler avec des dialogues, des mots, de mettre des mots sur mon interprétation parce que j'étais un personnage assez pas réel. Donc j'essayais vraiment au maximum de parler avec lui et d'interpréter l'idée qu'avait le réalisateur. Donc petit à petit, voilà, on a vraiment en tout cas créé, fabriqué, je dirais, le personnage en ajoutant quelques touches les unes sur les autres en plusieurs couches. Et sinon concernant, oui, quand vous posiez la question que c'était peut-être une performance très physique, le côté physique, donc pour la direction d'acteur, je dirais que voilà, j'ai vraiment fait physiquement, je me suis dit, bon allez, je vais y aller physiquement et puis après on verra, donc je me suis vraiment donnée à fond. Et quand on dit, quand on parle de physique, il y a ici, il faut poser la question à Jun Kunimura, qui aussi a eu une performance très physique.監督なホンジンという監督の才能だと思いますけど、彼は絶対に自分が良しと思わない限り許してくれないんですね。つまりOKしてくれないので、そこに向かってとにかく必死で自分の体力、体が続く限り、そこへ向けて突っ走ることしかなくて、ただでも肉体的にはそれだけ過酷でしたけれども、その行き着く先には多分 彼の才能がきっちりと結果を出してくれるという信頼のもとにやってますから、それは別にその何て言うんですか、体は疲れているけれども、精神的には非常に健康な状態、いい状態に、そういう現場でした。特に私の表現したキャラクター、キャラクターといっていいのか、それこそ生命体であるのかすらわからない、ただの一つのエネルギーかもしれない。そういうものを同表現するんだって理屈で考えても、ちょっとこれは無理だと自分で判断しましたので、これはもう現場で、ナホンジンという才能がこっちへ行け、こっちへ突っ走ってくれっていう、そこへ向けて私の肉体の体力の続く限り突っ走ること、それが今回の現場で私がやったこと、考えたことです。 Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. C'était donc un travail très physique. C'était assez épuisant. Mais Na Hong-jin est un réalisateur incroyablement talentueux. Il met la barre très haut pour les acteurs et il est très dur. Il veut absolument obtenir ce qu'il souhaite. Il ne nous lâche pas jusqu'à ce qu'il soit parfaitement heureux avec les différentes scènes. Donc lui, il me montrait comment je devais jouer. Il me disait qu'il fallait y mettre toute mon énergie. Donc sur le plan physique, c'était dur, mais je savais qu'en fin de compte, le film serait magnifique grâce à Na Hong-jin. J'étais certes épuisée, mais psychologiquement, je me portais bien. C'était une joie de figurer dans ce film. Puis, je ne sais pas si je devrais parler de mon personnage, parce qu'on ne sait même pas si c'est un être vivant. Peut-être qu'il est simplement une forme d'énergie. Quand j'essayais de comprendre ce rôle, je me disais qu'une approche logique ne fonctionnerait pas. J'ai fait confiance au talent de M. Na Hong-jin quand il m'a dit de courir. Je courais dans la direction qu'il me montrait. Ici, en tout cas, je voulais vraiment demander pardon à mes acteurs. Ici, j'en profite pour leur demander pardon. Jun Kunimura, le dernier jour de tournage. À la fin, il n'était pas content, donc il m'a grondé.
ce qui fait que l'interprète sur le tournage était tellement apeuré en fait qu'il n'arrivait même plus à traduire les propos de Kunju Nimura à mon égard. Donc vraiment, voilà, ici mes trois acteurs, en tout cas ici présents, ont vraiment, vraiment beaucoup souffert. Et voilà, je les remercie ici. J'en profite pour leur dire un grand, grand merci et que je suis vraiment désolée. Et également tous les autres acteurs qui ne sont pas ici présents. Et bien sûr aussi toute l'équipe technique qui était derrière la caméra. Vraiment, j'en profite ici pour les saluer, pour les remercier du fond du cœur. Et vraiment, excusez-moi, pardonnez-moi. Donc, qui va oser poser une autre question? Bonjour, News N. Je voudrais poser une question pour les acteurs. En Corée, là maintenant, le film est sorti et connaît un succès fulgurant. Et effectivement, c'est quand même un film vraiment typiquement coréen et qui a été invité au Festival de Cannes. Donc, j'imagine que vous devez quand même avoir une certaine impression. Donc, je voulais savoir ce que vous ressentez. Et c'est vrai que vous devez sûrement aussi être curieux de la réception de ce film-là par les spectateurs étrangers. Et en tout cas, pour le réalisateur, M. Naonjin, en fait, tous vos films ont été sélectionnés au Festival de Cannes. À votre avis, qu'est-ce qui plaît tant en fait, au Festival de Cannes pour que vous soyez à chaque fois sélectionné ici? Quand j'ai entendu dire qu'on était sélectionné au Festival de Cannes, j'étais extrêmement contente. La première fois que j'ai reçu ce scénario, et également pendant le tournage du film, et même après le tournage du film, je savais, j'étais, disons, complètement confiante de ce film-là et du réalisateur. Je m'en remettais complètement à lui. Donc, quand le film a été sélectionné à Cannes, j'étais un peu, comment dire, c'est peut-être stupide de ma part, mais j'avais l'impression qu'on allait être sélectionné à l'avance. Mais en tout cas, je dirais que j'étais confiante dans le sens où je savais que le film allait plaire. Et c'est vrai que je suis aussi très curieuse parce que je me demande comment le film va être reçu ici et surtout mon personnage, comment est-ce qu'il va être interprété. Donc j'ai hâte de ce soir pour voir comment le public va réagir. Déjà, moi, j'étais vraiment fan de tous les films précédents de Naong-jin. Mais par contre, je ne savais pas que ces deux films précédents étaient venus à Cannes, avaient été sélectionnés. Donc, ça veut dire que là, ce film-là, c'est la troisième fois qu'il vient avec son troisième film. Donc, c'est là que je me suis dit qu'en fait, effectivement, ce n'était pas la première fois qu'il venait. Et je ne savais pas du tout que The Murderer avait été sélectionné à Cannes. C'est vrai que je n'étais pas très intéressée par les festivals étrangers parce que ce n'est pas parce qu'un film est sélectionné dans un festival étranger que je suis intéressée par le film. Et pareil pour les films étrangers qui sont sélectionnés à Cannes, parfois ils sortent pas en Corée, donc c'est vrai que ça n'a pas vraiment un impact quand un film est sélectionné dans un festival, quand on ne peut pas le voir par exemple en sortie dans son propre pays. Mais maintenant que je suis à Cannes, maintenant effectivement je suis impressionnée, je vois maintenant ce qu'est le Festival de Cannes. Donc un journaliste, je lui ai dit que j'avais aucune expérience auparavant, donc c'est là que je me rends compte à quel point que c'est un grand festival et à quel point c'est un grand honneur, puisque le festival fait partie l'un des trois grands festivals. Dans ce film-là, il y a certains éléments assez drôles et en fait, je suis un peu curieux de savoir si le public occidental pourra comprendre ou pourra rire en tout cas à ces mêmes moments. Et puis aussi l'élément
Le chamanisme qui est aussi peut-être assez curieux pour le public occidental et étranger. Et je ne sais pas à quel point le public occidental va comprendre, mais voilà, je ne sais pas à quel point le film est universel, s'il pourra vraiment plaire aux étrangers, car c'est très coréen. Mais vous savez, c'est drôle, parce que maintenant que je suis à l'étranger, enfin hors de mon pays, je comprends à quel point... Il y a une sorte de patriotisme en fait qui naît en soi-même. Donc tout d'un coup j'ai l'impression de représenter la Corée du Sud. Donc voilà, j'ai les épaules lourdes et que ce soit le public français ou étranger, j'espère vraiment qu'ils pourront être contents, qu'ils apprécieront le film et qu'ils comprendront en tout cas le thème de ce film et qu'on pourra penser, réfléchir en même temps ensemble à ce film. Et vraiment, vraiment, j'ai hâte. Kunimura-san. Je suis le Stranger, ce で、その見終わった後にまだ見てない人にから国村ってどんな映画って聞かれた時に多分10通りの答えがあるというか回答があるというか見た人それぞれの中にそれぞれの一つ見終わった後の感想なりこの映画はこういう映画だっていう理解の仕方があるような映画じゃないかとそういうふうに思います。っていうのも自分が台本を最初に読んだ時にこれをこうリズムで理解しようとした時には先ほど申し上げた通りこれは、うん、理解ということが目的の映画ではないなと見た時に例えばあのおかしなシーンで、うん、笑っていただくこともそうですけれども結局見終わった後に何かをこう人の世の中あるいは人一人の人間の内的世界みたいなものを何らかの形で自分の中にこう感じてもらうような映画じゃないかなと僕個人はそんなふうに思ってます。ですから考えて理屈で答えを出すんじゃなくて何かを感じてその感じを自分の中でずっと持ってっていただきたいお客さんにはそんなふうにこの映画を見ていただければ嬉しいかなと。それとまあカンヌ映画祭のことに関して言えば私は日本映画ではなくて韓国映画その先ほど申し上げた初めての韓国映画でカンヌに来ることができましたこれは私にとってはすごく嬉しいことでこれはもうナホンジン監督に感謝するしかありません。Well, I feel that if 10 people have watched Gokusun and then somebody who hasn't seen the film would ask them to ask them what they thought about it. Si on pose la même question à ceux qui ont vu le film, ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien, si 10 personnes ont vu le film, il y aura 10 réponses différentes à la question. Chacun va interpréter le film différemment. Chacun va comprendre le film différemment. C'est vrai dans mon cas aussi. Quand j'ai lu le script, je me suis dit, il ne faut pas que je cherche à comprendre ce script avec ma logique. Je me suis dit que l'objectif n'était pas de comprendre. Par moments, le film fait rire, mais ce film parle de l'humanité, parle du monde intérieur des êtres humains. Et au lieu d'essayer de comprendre ce film avec sa tête, de façon cérébrale, il me semble qu'il faut ressentir ce film physiquement. J'espère que le public comprendra le film dans ce sens. Par rapport au Festival de Cannes, comme je vous ai dit, je souhaitais depuis longtemps faire un film coréen. C'est un honneur pour moi de venir à Cannes. C'est la première fois. Je suis donc acteur dans ce film coréen et c'est un honneur d'avoir travaillé avec Na Hong-jin. Yes, sir. Look.
Naung Jin, j'aimerais revenir sur une séquence particulière du film. Donc, je ne vais pas le spoiler, mais l'un des personnages principaux décède. Et on revient dans une... Enfin, il se souvient, il y a un flashback. On a retrouvé ce même protocole, cette même méthode dans Train to Busan, qui est aussi sud-coréen. Et j'aimerais savoir si c'était quelque chose de très coréen, du coup, ou au contraire, c'était un hasard de retrouver cette même utilisation du flashback lors d'un décès d'un personnage, donc dans ces deux films. Je ne sais pas trop comment est-ce que Yoon Sang-ho a fait sur son film Train to Busan. Et peut-être que c'est justement pour remémorer aux spectateurs qu'ils se souviennent de ce qu'on a fait qu'il a remis cela dans son film. Ben voilà, c'est ma réponse. Press conference is now over. Eh bien, la conférence de presse touche à sa fin. Je remercie toutes les personnes à la tribune. Pleasure. We really love your film. We have to meet a few. Oh.